Tu commences à prier ma prière préférée qui est « Seigneur, change-moi ». Il a dit « J'agirai à travers toi ». C'était comme une révélation totale pour moi. Je me rappelle quand je priais pour Dave, je martelais le plancher un jour, je priais ardemment. « Éternel, tu dois changer Dave! Éternel, tu dois changer Dave! Éternel, je sais que tu peux changer Dave! » Et le Seigneur a chuchoté à mon cœur « Oh, Joyce, Dave n'est pas vraiment le problème. » Restez avec nous dans « Jouissez de votre vie ». Louez l'Éternel, je veux vous souhaiter la bienvenue à notre émission d'aujourd'hui. Je crois qu'on va passer un temps tout à fait formidable. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui, je crois, est un des sujets les plus importants que l'on puisse aborder, et c'est le sujet de la prière. J'ai récemment conclu une série d'enseignements intitulée « Le mystère de la prière ». C'est une série qui m'a vraiment régénérée et qui m'a rappelé l'importance vitale de la prière, et que la prière est vraiment un mystère. Pourquoi Dieu, qui peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, pourquoi a-t-il besoin de nos prières? On doit comprendre que c'est quelque chose que le Seigneur a établi, une loi spirituelle qu'on ne peut absolument pas contourner. Croyez-moi, Dieu veut faire tant de choses dans votre vie, dans le monde, et dans la vie des gens que vous aimez et qui sont importants pour vous. Mais il ne peut pas et ne le fera pas, à moins que quelqu'un prie. Je crois que Satan nous vole véritablement dans ce domaine, parce qu'il essaye toujours de nous faire sentir qu'on n'est pas digne de prier, que nos prières ne sont pas correctes, qu'on ne prie pas assez longtemps, qu'on ne prie pas de la bonne manière, ou qu'on a trop de péchés dans notre vie. Ainsi, on va parler de la prière dans les quelques semaines à venir. J'ai une invitée très spéciale dans le studio que je vais vous présenter dans un instant. C'est une dame qui a écrit 7 livres puissants sur la prière. Vous allez la reconnaître quand je vais vous la présenter. Je crois que dans les 2 semaines à venir, vous allez certainement passer à un nouveau palier dans votre vie de prière. Je voudrais commencer par un verset que j'aime. C'est la deuxième moitié de Jacques chapitre 5, verset 16. Écoutez ça. Il dit « La prière, sincère, fervente et continue du juste, rend disponible une énorme puissance et agit avec grande efficacité. » Je voudrais préciser et mettre la lumière sur le fait qu'il y a puissance. J'aime beaucoup ce mot, puissance. Je pourrais répéter, puissance, puissance, puissance. Dieu ne veut pas qu'on soit faible. La puissance est à notre disposition quand on prie. Vous dites, oui, Joyce, mais attends, tu as dit la prière du juste alors que moi j'ai des problèmes dans ma vie. Remarquez, notre justice ne nous est pas donnée parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est rendu juste par notre foi en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a, pour nous, fait devenir péché afin que par lui nous devenions justice de Dieu. » Alors, si vous êtes sincèrement croyant en Jésus-Christ, alors vous avez un vêtement de justice et vous devez savoir le revêtir. Et plus vous savez qui vous êtes en Christ, plus vite vous allez dominer les autres sphères de votre vie qui ont des problèmes. Maintenant, je veux vous présenter une dame très spéciale, Stormie Omartian, qui a écrit 7 livres puissants sur la prière. Stormie, nous sommes passionnés de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oh, je suis charmée. C'est super d'être sur votre programme. Merci de m'avoir invitée. Je lisais ton livre ces 2 dernières semaines, qui est réellement ton témoignage. Ah oui, le livre Stormie. Oui, Stormie. C'est simplement le titre. Ça. Et wow! En fait, je viens d'un milieu vraiment chaotique, douloureux et abusif, et je pense que tu as subi des épreuves encore plus terrible que les miennes. Je connais un peu ton enfance et la tienne était vraiment très difficile. Quand je considère mes origines maintenant et je vois d'où je suis venue, je constate la puissance de Dieu et comment cette puissance a opéré dans ma vie pour me libérer de toutes ces expériences que j'ai vécues dans le passé. Dis-nous en quelques minutes les faits saillants de ce que tu as éprouvé, Stormie. J'ai été élevée par une mère mentalement malade et sa manière de se débrouiller avec son enfant, moi, j'étais fille unique pendant 12 ans, c'était de me garder enfermée dans un cabinet une grande partie de ma prime enfance. Je n'avais aucune idée pourquoi j'y étais enfermée. Je faisais des gaffes pour lesquelles je n'étais pas punie, et puis quand je ne faisais rien de mal, me semblait-il, je me retrouvais enfermée dans le cabinet pour des heures. Comme t'asseoir sur le panier à linge. Exactement, m'asseoir sur le panier à linge. Avec le linge sale dedans. C'était dans le cabinet, sous les escaliers. Pour éviter que les rats et les souris ne te parviennent. Exactement, parce qu'on vivait dans un ranch au Wyoming, il y avait des rats et des souris partout, particulièrement la nuit ou dans les coins sombres, et donc je gardais les pieds élevés. Quel âge avais-tu alors? En fait, j'avais 3 ans jusqu'à environ 6 ans, puis on a quitté, on a déménagé de cette maison. De 3 à 6 ans? Oui. enfermée dans un placard, c'est horrible. Et peut-être même plutôt que ça, mais je me rappelle de l'âge de 3 ans, à cause d'incidents spécifiques, pendant que j'étais dans ce cabinet. Et il y avait d'autres choses qu'elle faisait. Elle était verbalement abusive et physiquement abusive aussi. Mais être enfermée dans ce cabinet, c'était ce qui m'effrayait le plus. Dans le noir. Oui, dans le noir. Et c'est ce qui m'a abîmée le plus. C'était si énormément effrayant. Et j'ai eu à surmonter plus tard, quand j'ai grandi, beaucoup de peur d'être seule, de la phobie du noir. C'est ce qui m'effrayait le plus. Vous étiez extrêmement pauvre et tu étais dans un grand embarras à l'école, car tu n'avais pas les vêtements adéquats. Exactement. Et même lorsque j'étais plus âgée, on a déménagé en Californie. J'étais préadolescente et adolescente. J'allais dormir la nuit et les rats couraient sur mon lit. Voilà combien nous étions pauvres. Parfois, on n'avait pas assez à manger. Souvent, on n'avait pas de quoi manger et j'allais au lit affamée. Et quand tu es enfant et tu vas au lit affamée, tu es dans l'angoisse parce que tu penses que tu ne vas plus jamais manger. Tu ne sais pas ce que les adultes savent. Tout ce que tu sais, c'est que tu as faim. Il paraît, Stormie, que c'est si ravageant pour un enfant quand il ne peut pas être comme son pareil ou son ami. Oui, c'est effrayant. Je sais que lorsque j'étais petite, j'ai été sexuellement abusée par mon père et on vivait dans un milieu assez violent, alcoolique et dysfonctionnel. Et bien sûr, ceux qui regardent mon programme, vous m'avez entendu raconter tout cela. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, sauf que j'ai été sexuellement abusée pendant des années. Et que c'était très ravageant pour moi. Je me rappelle aussi qu'il ne m'était pas permis de faire beaucoup de choses que les autres enfants de mon âge faisaient. Et qu'il ne m'était pas permis d'avoir beaucoup de choses que ces enfants avaient. Et tout à fait. Il n'y avait simplement aucune envie de dépenser l'argent sur ce genre de choses dans ma famille. Mon père les considérait comme sottises et absurdités, et tu n'as pas besoin de faire ce genre de trucs. Je me rappelle des exemples spécifiques où tout le monde en classe faisait quelque chose, ou se disposait à avoir des photos d'école, un anneau d'école, ou quoi que ce soit, mais il ne m'était pas permis de faire cela. Et je me rappelle encore combien cela était ravageant pour moi. N'est-ce pas étonnant comment toutes ces années plus tard, j'ai beaucoup de chaussures. Je ne suis pas exactement Imelda Marcos, mais j'ai beaucoup de chaussures. La raison est que j'avais droit à une paire de chaussures qui me durait toute l'année. Qu'elles soient devenues trop petites ou pas, que les semelles aient disparu ou pas, j'avais une paire de chaussures. D'autres enfants avaient plus d'une paire et les miennes étaient si embarrassantes, si horribles. À ce jour, je m'achète une paire de chaussures et je me dis, c'est si merveilleux d'avoir une nouvelle paire de chaussures qui ne sont pas déchirées, abîmées, qui ont une semelle. Je ne peux pas te dire combien de fois je suis allée à l'école avec la semelle de mes chaussures qui balançait, qui tombait. Ou probablement que tes orteils étaient pincés parce qu'elles étaient trop petites. Oui, elles étaient trop petites, exactement. Et tes orteils sortent devant parce qu'elles étaient trop petites. Des choses comme ça, Joyce, tu les portes avec toi pour longtemps. Dis-moi, Stormie, quel rôle la prière a-t-elle joué dans ta guérison ? Ce qui s'est passé, c'est que, alors que je grandissais, le cabinet physique est devenu un cabinet émotionnel. J'étais tellement remplie de crainte, tellement remplie de dépression, d'anxiété, toutes ces émotions négatives, désespoir, futilité, ce genre de sentiments, que j'ai fini dans l'alcool, la drogue, le culte et toutes ces choses, à essayer de trouver un échappatoire à la douleur, à essayer de trouver quelque chose qui la soulagerait. Tout ce que j'ai trouvé n'était que provisoire. Je me suis engagée dans le culte. C'est bien que les gens entendent ça. Je voudrais que tu le dises encore et dis-leur à quel point c'était provisoire. C'était très provisoire. Tu sens un soulagement passager en consommant l'alcool ou les drogues, les religions occultes, les religions de l'Est. Ou d'avoir une promotion ou d'acheter une nouvelle maison ou une grande voiture. Ou de mauvaises relations. Tu t'engages dans ces relations en espérant qu'ils vont remplir ce vide, mais c'est seulement provisoire. Mais ce qui se produit, c'est que tu tombes encore plus bas et plus bas dans la fosse parce que tu vois que ça ne marche pas et la prochaine ne marche pas et la prochaine ne marche pas. Bientôt, tu vas manquer de choses à essayer pour masquer cette douleur ou remplir ce vide. C'était à 28 ans que j'ai reçu le Seigneur avec le pasteur Jacques Hayford. Un ami à moi m'a emmené à l'église pour le rencontrer. Il m'a parlé du Seigneur. Il m'a parlé de lui comme s'il était son meilleur ami. Il m'avait dit qu'il était merveilleux. C'était un meilleur ami. Ce n'était pas un Dieu éloigné, comme mes pratiques occultes m'avaient appris. Ce n'était pas simplement religieux, mais personnel. Bien sûr. C'est un Dieu personnel. Un Dieu qui vit en nous. Il agit à travers nous, il donne un but à notre vie et toutes ces choses. Et te donnera l'amour que tu n'as pas eu en tant qu'enfant. Oui, exactement. Et c'est quand j'ai reçu le Seigneur que j'ai commencé à voir qu'il y a de la lumière au bout de ce long tunnel obscur de ma vie. Et j'ai commencé à me diriger vers la lumière. C'est-à-dire, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à lire la parole. Et la prière était si déterminante pour ma guérison et ma délivrance de toutes ces choses. En fait, il y avait certaines épouses de pasteurs de l'église qui étaient si extraordinaires et puissantes dans la manière dont elles pouvaient prier pour les gens. Et elles ont beaucoup prié pour moi et j'ai été délivrée de la dépression que j'avais pendant des années. Pour autant que je me souvienne, j'étais dépressive. Dave, je me levais chaque matin et je manœuvrais à travers la dépression. C'était la première chose que j'affrontais chaque jour, ce mur de dépression. Essayer de percer à travers pour me lever et fonctionner. Quand elles ont prié pour moi, que je sois libérée de la dépression, je suis sortie de leur bureau et je me sentais si légère. Et j'avais la paix et la joie pour la première fois de ma vie. Et je n'ai plus jamais eu de difficultés avec la dépression depuis et... Mais ton livre dit que tu as encore eu des problèmes avec, mais pas avec la même amplitude, n'est-ce pas? C'est exact. Je ne dis pas que je n'ai jamais été déprimée depuis parce qu'il y a beaucoup trop de choses déprimantes dans la vie. Je voudrais que les gens comprennent. Vous pouvez dire, bon, je suis dépressive et j'avais ce problème auparavant et on a prié pour moi ces 25 fois et j'ai toujours ce problème. Alors... nous voulons vous préciser que Dieu vous délivre en phase, de gloire en gloire en gloire. C'est comme par exemple quand on épluche un oignon. Oui, c'est exact. Vous savez, c'est comme une couche à la fois. Donc, vous devez continuer à prier. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Tu as dit, je me levais chaque jour et j'essayais. Oui. Tu sais, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'essayais. J'essayais de ne pas m'énerver. Oui, j'essayais de ne pas être une personne dure. J'essayais d'être toujours joyeuse. Et l'une des choses qui m'ont vraiment délivrée, c'est un verset dans Jacques 4,2 qui dit simplement « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Quand je suis tombée sur ce verset, c'était comme « D'accord, je vais demander tout ce qui me passe par la tête. » Et j'ai commencé à demander et demander et demander avec assurance, comme tu l'as dit dans un de tes livres, s'approcher avec assurance du trône. J'ai échangé beaucoup de mes essais contre la prière. La prière, exactement, parce que tu ne peux pas y arriver toute seule. Tu as besoin que la puissance de Dieu agisse en toi. Et c'est le moyen que Dieu a établi, qu'on s'associe à lui. Nous, on prie et lui, il exauce. J'aime ça, j'aime le fait que je n'ai pas à prescrire à Dieu. Je ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire. Je dis seulement, Éternel, voici mon besoin, le besoin que je vois chez les autres, le besoin que je vois dans le monde et que je vois dans ma situation actuelle. Et j'exprime juste cela, et c'est à Dieu d'y pourvoir. Je ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire et il fait sa volonté. Je ne fais que la libérer. Tu as écrit 7 livres sur la prière. Oui. J'ai l'un d'entre eux ici devant moi, La puissance d'une femme en prière. Oui. Je suis une femme et j'aime la puissance. Alors, dis-nous rapidement, quelle sorte de puissance une femme peut-elle avoir quand elle prie? Eh bien, le plus merveilleux, c'est que lorsque tu reçois le Seigneur, il te donne ce dépôt de son Esprit Saint en ton fort intérieur. Après avoir reçu le Seigneur, j'avais l'habitude de me demander, de penser, c'était après avoir reçu le Seigneur, j'ai la vie éternelle, mais si je meurs, comment est-ce que lui va savoir que je dois aller au ciel? Je veux dire, comment va-t-il le savoir et s'il m'en mettait? C'est l'Esprit Saint en nous qui fait le tout. L'Esprit Saint nous guide quand on prie, et alors qu'on apprend à prier pour les divers aspects de notre vie, tous ces aspects différents, on commence à voir des choses puissantes se produire dans notre vie, parce que c'est la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Donc c'est prière, 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 prière et prière. Oui, Stormie, on parlait, toi et moi, avant de passer à l'antenne. Comme c'est important quand tu as besoin de guérir toi-même, d'investir du temps dans la prière pour d'autres. Parle-nous un peu de ce sujet. Oui, en fait, certains de mes premiers livres sur la prière avaient comme sujet la prière pour les autres. Prier pour ses enfants, prier pour son mari, prier pour sa femme. Un livre que j'ai écrit intitulé « La puissance de prier ensemble » parle simplement de prier avec les autres pour eux, comme toi et moi, on prie ensemble et je prie pour toi, et c'est une chose vraiment puissante. Parfois, tu penses que ce n'est puissant que lorsque quelqu'un d'autre prie pour toi, mais il y a une telle puissance dans la prière pour les autres. Tu es béni autant que l'autre personne quand tu pries pour elle. La satisfaction que ça nous procure est vraiment étonnante. Je veux dire que tu sens un accroissement de la présence du Seigneur dans ta vie. Tu te sens satisfait. Comme tu le sais, on peut facilement tomber dans le piège, parce que j'y suis tombée moi-même. Et Dieu a dû me corriger. On peut facilement tomber dans le piège d'avoir tant de problèmes nous-mêmes qu'on ne prie plus que pour soi, n'est-ce pas? Absolument. Mais n'est-ce pas lassant? Ça devient si ennuyeux. Tu deviens fatigué d'aller encore à Dieu et dire « Éternel, aide-moi avec cette même situation pour laquelle je prie, ça fait 30 jours. » C'est si libérant de pouvoir prier pour quelqu'un d'autre. Évidemment, tu dois faire connaître tes propres besoins à Dieu, il nous demande de le faire, mais quand tu pries pour quelqu'un d'autre, il y a là une énorme bénédiction. Tu sais ce que j'ai trouvé? Évidemment, Dieu me rend si péniblement franche que c'est pathétique, mais... C'est ce que j'aime en toi, cependant. Tu es vraiment super. J'ai trouvé que parfois, même lorsque je prie pour d'autres, soi-disant, ma motivation était toujours personnelle. Ah oui. Parce que je voulais que mon mari change pour que ma propre vie soit meilleure. Ah oui. Je voulais que mes enfants changent pour que ma vie soit meilleure. Et le Seigneur m'a dit, il y a des années, alors que j'enseignais lors d'une réunion des dames de l'Église, et Beaucoup d'entre elles priaient pour leurs maris et priaient pour leurs enfants et n'avaient aucun résultat. Alors le Seigneur m'a donné une révélation un jour. Dis-leur que si elles prient pour le salut de leur mari et s'inquiètent véritablement pour leur âme, j'agirai dans leur vie, mais beaucoup d'entre elles prient simplement parce qu'elles veulent que leur vie soit meilleure. Exactement. Oh, c'est si vrai. J'en étais si coupable, Joyce. Quand j'ai écrit mon livre « La puissance d'une femme qui prie », dans l'un des premiers chapitres, j'ai dit « Vous devez prier pour son épouse d'abord, qui est vous-même. » Ce que Dieu m'a dit, c'est de cesser de prier « Seigneur, change-le ». Vous savez, je priais « Seigneur, change-le ». Et je priais ça tous les jours. Mais c'était entièrement pour moi parce que j'avais des aspirations et des attentes de lui auxquelles il ne répondait pas. Dieu a dit « Si tu cesses de prier, Seigneur, change-le qui est ta prière préférée, et tu commences à prier ma prière préférée qui est Seigneur, change-moi. » Il a dit « J'agirai à travers toi. » C'était comme une révélation totale pour moi. Je me rappelle quand je priais pour Dave, je martelais le plancher un jour, je priais ardemment. « Éternel, tu dois changer Dave! Éternel, tu dois changer Dave! Éternel, je sais que tu peux changer Dave !» Et le Seigneur a chuchoté à mon cœur, « Oh, Joyce, Dave n'est pas vraiment le problème. » Je sais, c'est plutôt choquant quand tu entends ça. J'étais si dupe. Qui donc alors? Il n'y a que lui et moi dans cette relation. Oui, c'est lui qui a besoin de changer, n'est-ce pas? Pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai passé la plupart de mon temps sur le plancher à pleurer quand Dieu m'a montré combien j'étais odieuse et difficile à vivre avec. Souvent dans la prière, on prie pour que Dieu change les autres. Alors qu'on doit commencer par prier, Éternel, change-nous, mais on sait également que notre changement résulte en partie d'avoir semé dans la vie d'autres personnes. Oui, tout à fait. C'est assez humoristique, Joyce, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui s'y reconnaissent, et moi certainement. Ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est comment prier avec droiture de cœur, et non pas prier égoïstement parce que je veux qu'il soit un tel mari, mais parce qu'il est un enfant de Dieu et un de ses fils précieux. Et je dois prier pour Michael en tant que l'un des fils de Dieu, et non pas en tant que mon mari. Vouloir vraiment que les gens changent pour qu'ils puissent être heureux, et pouvoir avoir le genre de vie que Jésus est mort pour leur donner. Ainsi, on doit faire attention, quand on prie, que nos prières ne soient pas des prières égoïstes et égocentriques où on essaye d'obtenir quelque chose pour nous-mêmes. Ce qu'on essaye de vous communiquer aujourd'hui, c'est que si vous sentez vraiment le besoin de changer, si vous venez d'un milieu pernicieux où vous avez été heurté, blessé, rejeté, abandonné, maltraité, quel que soit le cas, je ne connais pratiquement personne aujourd'hui qui n'a pas été blessé. Notre génération est mauvaise et notre société est méchante. Nous voulons préciser que vous n'allez pas changer juste parce que vous le voulez ou vous l'espérez, ni même parce que vous dites « Je crois que Dieu peut me changer ». Vous devez prier. Vous devez prier et demander à Dieu de faire les choses dans votre vie qui doivent être faites, et vous devez croire que Dieu agira par la prière, et vous devez continuer et persévérer et persister. Absolument. Parle-nous au sujet de la persistance, Stormie. Je suis probablement experte dans la persistance. J'ai appris à continuer à prier et persévérer dans la prière sans relâche et de laisser Dieu être Dieu. Il nous demande de venir à lui et de lui présenter nos requêtes. Il dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Donc, on demande, mais on n'abandonne pas si on n'obtient pas la réponse tout de suite, disant « Manifestement, Dieu n'écoute pas ma prière » et ce n'est pas vrai. Dieu écoute chaque prière. Chaque prière lui est importante. Chaque prière a son impact. Mais parfois, on doit persister dans la prière et persévérer jusqu'à avoir une réponse. La persistance et la diligence est un principe spirituel que personne ne peut contourner. Aucun de nous ne va jamais recevoir quoi que ce soit du Seigneur, si on ne s'élance et on ne persévère pas. Je viens d'ouvrir à Luc chapitre 18, verset 1. Je m'en suis rappelé alors qu'on parlait, et cette écriture dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, faiblir, perdre courage et abandonner. » En fait, j'ai décidé que je vais durer plus longtemps que le diable. Absolument. La Bible nous dit un peu plus tard, « Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors je me suis décidé que même si je n'ai pas reçu la manifestation de chaque petite chose pour laquelle je prie, quand Jésus viendra pour m'emmener, il va me trouver dans la foi, toujours à croire et toujours à prier. On découvre à la fin qu'il est notre seul recours. Il est notre seul espoir, absolument. Je crois qu'il y en a qui regardent cette émission, qui ont essayé toutes sortes de choses et qui ont fait plein de trucs et ça n'a pas marché. Il y en a probablement qui regardent cette émission, qui n'ont même pas une relation personnelle avec Jésus. Alors, je veux que vous nous contactiez à l'adresse qui est sur votre écran et nous pourrons vous aider et vous guider dans une relation personnelle avec Dieu. Au cas où vous n'avez jamais été né de nouveau, ou si vous dites « Je ne suis pas sûr où j'en suis avec Dieu », Savez-vous pour sûr si vous mourrez aujourd'hui ou ce soir même? Savez-vous si vous irez au ciel? Si vous ne pouvez pas dire oui, je le sais, alors vous devez nous laisser vous donner quelques informations et prier avec vous et vous aider à accéder à une merveilleuse relation personnelle avec Dieu. Mais après tout ça, on essaie de vous enseigner que vous devez prier. Ne laissez pas le diable vous vaincre en disant « Vous avez déjà prié à ce sujet 10 fois et ça n'a pas marché. » Vous devez répliquer à l'ennemi et dire « Oui, et je vais prier à ce sujet 10 fois de plus, 20 fois de plus et 100 fois de plus jusqu'à ce que je vois Dieu agir dans ma vie. » Parce qu'en fait, la Bible nous dit qu'on doit prier, persister dans la prière, sans se lasser ou abandonner, et qu'on doit être en train de prier quand Jésus reviendra pour nous emmener. Stormie, de nouveau, tu as écrit 7 livres sur la prière et nous allons en parler encore plus demain. Oui. Et même lundi et mardi prochain, vous allez être encore à l'antenne. C'est mon privilège. Et ce que je vais faire, c'est insérer une partie de mon enseignement de conférence dans cette entrevue que je fais avec Stormie. Et quand ces 2 semaines sur la prière finiront, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous être utiles. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.